Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Ego, film finlandais et suédois de 2022, réalisé par Anna Bergholm. Tinia a 12 ans, sa mère la pousse à faire de la gymnastique, exerçant sur elle un perfectionnisme malsain. Une nuit, la petite fille va faire la découverte d'un œuf bien étrange qu'elle va cacher puis couver, jusqu'à l'éclosion d'une inquiétante créature. Attendue avec impatience depuis son grand prix et son prix du jury jeune lors de la dernière édition de l'incontournable Festival de films fantastiques de Gérardmer, le film de Anna Bergholm n'a pas eu droit aux honneurs d'une sortie sur grand écran en France. Mais il est malgré tout disponible depuis le 27 avril en format DVD et Blu-ray, ainsi qu'en VOD, et c'est bien là l'essentiel. Après l'Islande avec Lamb et la Suède avec The Innocents, l'horreur nordique est décidément à la fête, puisque c'est au tour de la Finlande de nous épater à son tour. Le cinéma de genre est de plus en plus apprécié en Scandinavie, une situation dont a profité pour son financement Ego, le premier long métrage de Anna Bergholm, principalement connu pour la réalisation de séries et de courts métrages, en particulier le dernier en date, Puppet Master, dans lequel une femme se laisse transformer en marionnette par l'homme qu'elle aime. Un rapport de domination qu'on retrouve justement dans Ego. C'est donc attiré par un bouche à oreille très favorable et, chose rare, vierge de tout teaser et bande-annonce, que je découvre enfin le film de Anna Bergholm, lequel nous plonge dans le quotidien d'une famille finlandaise, un foyer qu'on croirait sorti tout droit d'un catalogue d'ameublement ou d'une publicité pour une célèbre marque de chocolat pour enfants. Le jardin, comme l'intérieur de la maison, sont gorgés d'une lumière aussi éclatante que les sourires arborés par ses occupants. Tout semble à sa place, tout semble trop beau pour être vrai dans cette vie que la mère de famille se plaît à partager sur les réseaux sociaux. Quand un oiseau parvient un jour à s'introduire dans le salon, la belle mécanique commence alors à dérailler. On comprend rapidement que la vie de famille est verrouillée par le personnage de la mère et de son désir de perfection. Elle sait exactement ce qu'elle veut et comment l'imposer. Un accident lui a visiblement coûté sa carrière de gymnaste, d'où sa volonté farouche d'emmener sa fille au sommet et goûter à nouveau à travers elle au succès qu'elle a connu dans sa jeunesse. Tinia apprécie la gymnastique, mais pas au point de tout sacrifier. Elle aimerait sortir, se faire des amis, profiter de son enfance, mais ce sont là des distractions qui l'éloignent de ce pourquoi sa mère la prépare, à savoir la compétition. De son côté, le père, complètement effacé, a pu trouver son compte dans le caractère directif et autoritaire de son épouse. On sent malgré tout qu'il le subit désormais plus qu'autre chose, mais sans toutefois pouvoir ou vouloir y remédier. Face à une mère qui s'aime plus qu'elle n'aime les autres, c'est donc Tinia, en passe de quitter le monde de l'enfance pour celui de l'adolescence, qui va souffler un vent de rébellion au sein de la famille. Sehän oli tosi hyvä. Kiitos. Tinja pitäisi treenata oikein ekstra kovaa, että pärjää sulle. D'après Anna Bergholm, si Ego vise à combler les amateurs de films de genre, il s'adresse avant tout à un public adulte peu habitué aux films d'horreur, mais friand d'histoires fortes centrées sur des personnages féminins. Avec ce récit d'apprentissage relativement sombre, la réalisatrice rend compte de la difficulté qu'il y a, pour une enfant alors en pleine construction identitaire, d'avoir à gommer ses imperfections pour afficher la meilleure image de soi possible et abandonner une certaine forme de bienveillance pour se maintenir dans la compétition. Une lutte permanente menée par Tinia sous la pression de sa mère est bientôt matérialisée par un œuf et la créature qui va en sortir. Une créature qui apparaît d'ailleurs relativement tôt dans un film et ayant la bonne idée de ne durer qu'une heure et demie. Parsemant son long métrage de fluides de nature diverse, la réalisatrice assume pleinement le genre et nous y embarque dès les 20 premières minutes avec l'éclosion de cet œuf bien étrange. Contrôlée à distance pour la tête et par des marionnettistes pour le corps,
tantôt actrice affublée de maquillage prothétique, le tout saupoudré de quelques effets numériques, les différents stades d'évolution de la créature constituent bien évidemment un des éléments marquants du film, pour une horreur très visuelle mais qui n'en oublie pas pour autant sa dimension symbolique. Ego ne déçoit donc clairement pas et impressionne par son ambition et sa réalisation, un premier film extrêmement prometteur qui doit également beaucoup à son casting, et notamment à la jeune Siri Solalina. Si vous avez apprécié cette petite couvaison, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut !